Mon papier est maintenant complètement sec. Voilà. Je vais juste ici, à ce niveau-là, ici, je vais faire une petite ombre juste pour faire ressortir cette lumière. Ici, je vais peut-être faire pareil, uniquement ici. Comme c'est mon point focal, là, je vais essayer de faire ressortir un petit peu là pour attirer l'œil vers cet endroit. Et je pense que c'est tout. Bien, alors, pour arriver à faire ressortir ce coin, je vais prendre un pinceau, mais léger, sans frotter, je l'humidifie et je vais humidifier, mais large. Vous voyez, j'humidifie large. Vous voyez, j'humidifie tout ça, sauf que je vais en mettre juste un petit peu là. Donc, vous voyez, là, c'est humidifié complètement. Donc, je vais mettre de la couleur foncé. Alors, je prends toujours dans ma palette ce que j'ai, ce qui me reste. Là, vous voyez, donc là, je vais ici, vous voyez, comme c'est humide, ça va se fondre. Alors, vous voyez, je ne frotte pas, je dépose simplement. Voilà. Et c'est tout. Et je fais voyager. Donc ici, je vais rajouter un petit peu là. Voilà. Et je fais voyager. Comme c'est mouillé jusqu'ici, la couleur que je viens de poser va s'intégrer sans faire de sertie. Voilà. Donc là, je fais voyager l'eau. Quand ça va sécher, ça va faire ressortir cette lumière qui est sur le côté du livre. Voilà. Donc je peux éventuellement en remettre encore un peu là. Là, et voilà. Là, j'ai fait pareil. J'ai humidifié là, tout doucement, sans frotter. Et je vais mettre cette fois-ci de la couleur très foncée. Ici, j'ai mis de la couleur moyenne. Mais là, étant donné que c'est le point focal, je vais déposer des petites gouttes de peinture foncée. Voilà, je fais des bêtises. Voilà. Et je fais voyager. Là, je vais essayer pareil. Donc, je vais mettre un peu plus de rouge aussi pour varier. Oui. Là, je vais mettre du rouge. J'essaie d'intégrer sans frotter. Voilà. Là, j'ai fait rentrer un petit peu la couleur ici. Ici. Voilà. Et je vais casser un peu ça. Voilà. Faire un lien. Là. Je vais casser ça. Voilà. Quand le papier va être en humidité mate, je vais pouvoir faire une ouverture. Alors là, c'est mat. Donc, avec un pinceau humide, je vais faire une ouverture. Voilà. Avec mon pinceau humide et séché, et sec, enfin, et asséché. Avec un petit bout de papier absorbant, je vais assécher. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai le fond qui rentre un peu, qui marque l'ombre et ça fait un lien
entre les livres et le fond. Là, j'ai fait pareil, j'ai humidifié et je vais venir poser tout doucement, je vais faire une ombre. Voilà. Comme j'ai humidifié, ça va se fondre sans laisser de traces. Là, je vais faire pareil. Alors là, j'humidifie et je dépose ma et voilà. Et je casse un peu. Voilà. Ça va faire l'ombre du papier, la feuille de papier sur le livre. Voilà. Ici, je vais peut-être faire pareil, un tout petit peu. Et voilà. Ici, je vais mettre un petit peu aussi. Et voilà, je vais casser un petit peu tout ça. Et voilà.